Et je pense que c'est une excellente initiative que d'organiser l'Interstate entre tous les États, tous les Guinéens de tous les États. Et je pense que nous sommes pratiquement le seul pays à pouvoir organiser ça dans ces conditions. Ce qui est vraiment à votre actif, et je pense qu'il faut consolider ça parce que c'est un acquis à ne pas perdre. C'est un creuset, c'est un moule réunificateur. Et je pense qu'il est fondamental que nous continuions à renforcer. J'ai promis au nouveau bureau élu que l'année prochaine, nous allons essayer de nous adresser à la Fédération guinéenne de football pour vous accompagner dans l'organisation de ce tournoi. Parce que pour moi, il est très important, parce qu'il est vraiment la fine fleur de la jeunesse guinéenne aux États-Unis. Ceci dit, je voudrais vraiment m'associer à votre joie. C'est le succès, c'est la persévérance, c'est aussi votre abnégation. Vous avez réussi à remporter cette coupe et je pense qu'on doit vous féliciter et aussi vous inviter à redoubler d'ardeur. Je crois savoir que certainement vous aurez à organiser très prochainement ou l'année prochaine l'Interstate, même si j'ai demandé aussi que les États peuvent s'associer pour organiser aussi l'Interstate. Il ne faudrait pas que ce soit toujours dans les mêmes états. Il faudrait que nous délocalisions pour voir dans quelle mesure, par exemple, l'état de Massachusetts avec Connecticut peuvent se réunir pour organiser l'Interstate, ou alors New York avec l'état de New Jersey peuvent se mettre ensemble pour organiser le tournoi, comme on le fait à l'échelle africaine ou à l'échelle mondiale. Vous avez vu la Coupe du Monde, le Japon, la Corée, ou le Gabon, ou la Guinée équatoriale. Donc pourquoi pas nous aussi, à notre niveau, décentraliser, ce qui permettrait une rotation de l'organisation et renforcerait davantage, je crois, le tissu entre vous. Et je pense que l'ambassade va s'y employer. Et comme vous l'avez dit, nous serons toujours là à vos côtés. C'est notre mission de vous accompagner, d'être là et d'être ensemble avec toute la jeunesse guinéenne de tous les États. Aujourd'hui, c'est DMV. J'aurais souhaité que demain, qu'un autre État vienne prendre la coupe aussi à DMV. En tout cas, bravo à vous, courage et continuez à vous organiser. Je pense qu'à l'avenir, en tout cas, nous avons l'ambition de faire grossir cette initiative-là, de faire en sorte que toute la jeunesse de tous les États y participe. On était à 12 États, il faut aller plus loin. Si demain nous avons 15, 16, je pense que ce ne serait pas mauvais.